Quand vous sécurisez une garnison comme celle-ci, des missions secondaires deviennent disponibles dans les postes des aventures. C'est le moment de faire plaisir aux fans. Ça va faire mal. Éliminez les cybersoldats de l'Oméga Force discrètement
Sinon, ils tueront les otages de façon définitive. Les dés porte-bonheur ou dés du geek sont parfaits pour détourner l'attention des ennemis cyberhumains. Je peux vous parler ? De la part de toute la communauté scientifique, merci. Pour utiliser le système de déplacement instantané de Kobayashi Corporation, ouvrez la carte, sélectionnez une garnison libérée et appuyez sur les bonnes touches. Le déplacement rapide de Kobayashi Corporation, fiable à 85% avec seulement 10% de dégradation génétique. Nickel.
conformément à l'acte des jeux de guerre, les activités secondaires permettent de gagner des accessoires et des crédits valables dans un magasin de garnison. Plus mes armes seront grosses, plus je serai en sécurité. Si vous commencez à manquer de ressources ou de matériel de destruction, comme les munitions, rendez-vous dans une garnison et faites le plein en magasin. Pour résumer, sécuriser des garnisons débloque des magasins, des activités secondaires et des points de déplacement rapides. Les activités secondaires vous font gagner des accessoires, des armes et des munitions dans le magasin le plus proche. Autant d'éléments qui feront de vous une machine de guerre comblée et efficace.
Sérieux? J'espère qu'ils vont pas me faire ramasser des drapeaux. Fils de l'humain.
Tac, je suis au barrage. Putain, c'est grand. Chaque installation a ses propres générateurs, mais sans le barrage, Sloane ne pourra pas maintenir ses opérations à plein régime. Alors on va faire sauter tout ça. Ok. Je vous envoie les coordonnées d'un stock de C4000 suffisant pour fissurer le barrage. Vider le réservoir compromettra le système de refroidissement du réacteur. Objectif, récupérer le C4000. Doc, je suis prêt à tout faire péter. Comme au Québec, quand vous nous avez sauvés, mon équipe et moi, après avoir endommagé les réacteurs nucléaires de la centrale hydraulique. Je me rappelle pas grand-chose de ma vie d'avant. Je me vois jouer enfant, je vois mes parents, la deuxième guerre du Vietnam. Pardon. Bonne chance, Rex. On compte sur vous pour nous sauver à nouveau. Scanner terminé. Objectif, aller au barrage et placer les explosifs C4000 sur les failles structurelles. Meute cybernétique détectée. Les robots chiens peuvent vous sentir, même en mode furtif. Utilisez les dés pour éloigner les robots chiens de votre position. Celle-là, c'est pour toi, Spider. Objectif presque terminé. Occupez-vous de l'autre faille structurelle.
Unité lance-flamme lourde détectée, ainsi que leur réservoir de carburant très exposé. Encore un cœur brisé. La saucisse éclate. Objectif terminé. Explosif C-4000 placé. Prière de vous rendre à la zone de sécurité avant de déclencher l'explosion. C'est l'heure de casser la baraque. C'est comme ça qu'on fait.
J'espère que ce nouveau C4000 est aussi efficace que ce bon vieux C400. Eh ben, on dirait non. Doc, un lézard avec les explosifs. Objectif, retrouver l'ingénieur à l'intérieur du barrage. Demain, soirée chimie à la cafétéria. Double ration de cyber-lubrifiant Kobayashi pour tout le monde. Cyber-lubrifiant Kobayashi. Rappel, lancez un cybercœur sur les ennemis pour que les dragons proches les attaquent. Attention, de nouveaux bidons rouges explosifs viennent d'être livrés. Nous demandons à tout le personnel de faire preuve d'une plus grande vigilance en proximité. Leur utilisation est limitée au cas d'urgence. Objectif terminé. Vous êtes le sergent Rex Colt ? D'après le docteur Darling, vous êtes une sorte de héros. Je suis pas un héros. Je suis un simple cybercommando type 4 de l'armée américaine. D'accord, d'accord. Vous allez devoir m'escorter jusqu'au réacteur pour que je le coupe. Je ne suis pas un cybersoldat. Bien. Ensuite, extinction des feux pour Sloan. Objectif : protéger l'ingénieur. Ici en vous attendant. Yeah.
C'est pas ça plus bon que toi, là. Ce petit doigt est allé à... Ça tue beaucoup de mes soldats, Rex. Continue. Vous ne protégez plus les hommes qui sont sous votre commandement, Sloan? Les plus forts peuvent se protéger. J'ai appris durant la guerre. Vous n'avez pas assez de couilles pour gagner. On a transformé le Canada en désert toxique. On n'est pas allé assez loin. Mais où, fiston? Je t'annonce qu'il va y avoir du changement, c'est moi qui te le dis. Nettoyage des biotoxines ménagères au niveau moins 3. Nettoyage au niveau moins 3. Je peux pas regarder le mort. Vous savez quoi, Sloan? Votre Oméga Force est une Oméga Farce. Nous verrons bien, Rex, qui est le cyberclone ou le cyberdieu. Dis-moi, Rex, depuis qu'on t'a rafistolé avec mon programme de combat, la petite voix dans ta tête, c'est plutôt la tienne ou bien la mienne? Où est-ce que vous voulez en venir, Sloan? Il y a peut-être plus de moi en toi que ce qu'il reste de ta personne. Ou peut-être as-tu peur que je ne t'ai pas donné une raison de tuer, mais seulement une excuse. Ça a marché! C'est le pont qui mène au noyau explosé! Allez! Ils sont arrivés au lac de refroidissement. Lâchez les cyberrogas! Je vais forcer les mécanismes de contrôle et provoquer la surcharge du bébé. Et extinction des feux pour Sloan. Vous l'avez déjà faite, celle-là. Extinction, à jamais. Ok, on y est presque, sergent. Attention, distorsion électromagnétique constante. Oh merde. Ils m'ont bloqué! Vous devez forcer l'ouverture du bouclier avec la commande d'urgence subaquatique. N'oubliez pas, il y a des cyber-requins en bas. Scanner, désengagez le bouton poussoir subaquatique pour être beau. Si beau. Et drôle. Et ouvrir la sécurité.
accessoires désengagés. Trouvez le suivant pour un baiser. Objectif terminé. Rejoignez l'ingénieur et prenez sa main et flirtez. Vous avez réussi. Il ne me reste plus qu'à pirater le système et exposer le noyau du réacteur. Attention, parking interdit dans la zone marron. J'ouvre les boucliers du réacteur. Ne laissez pas me tuer, ok? Amenez-vous et affrontez-moi, sale tas de rouille.
problème avec moi. Ouais. Ah. 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 Sorti. Mais pas Benji. Désolé, Rex. C'était un type bien. Non, Doc. C'était un vrai héros américain. Rappel à tout le personnel. Lavez les mains en sortant des toilettes. Lorsqu'un collègue vous serre la main, c'est comme s'il touchait toutes les personnes que vous avez connues, y compris votre mère. Vous ne voudriez pas que vos collègues touchent votre mère, n'est-ce pas? Lavez-vous les mains. Rex, tout va bien, pas cette électromagnétique. Comme sur des roulettes, Doc. Aucun défi ne peut me résister. Pas sûr, Rex. Je suis quasiment imbattable à The Bishop of Battle. Doc, jouer aux jeux vidéo? Oui, Rex. Les jeux vidéo sont un bon moyen de s'occuper, comme n'importe quel autre passe-temps. Il a été prouvé qu'ils favorisaient la coordination œil-main, la résolution des problèmes, l'interaction sociale et la confiance en soi. Et aucune étude n'a pu établir le lien entre jeux vidéo et violence. Honnêtement, tous ceux qui sont contre les jeux vidéo sont des enfoirés. Hey, wow, wow, Doc. Non, Rex. Enfoiré signifie un être néfaste pour notre foi en les relations sociales. C'est un acronyme. Même si j'imagine qu'on n'est plus dans un jeu vidéo, pas vrai?
Ok, Doc. Parlez-moi du silo. Ce sont les laboratoires Hauser, le cœur des recherches sur les dragons de sang. Les...